DCPJ dit, il y a une évidence. Il y a un bon gens éléments dans mais qui prouvait à clé. Gon réseau de trafiquants zam en dans l'église épiscopale d'Haïti. DCPJ dit dans rapport là. Monsieur Sakire le père Franz Kola yo joine comme secrétaire exécutif diocésain dans l'église là. Monsieur il y a plusieurs comptes en banque ici tant que l'autre bord de l'eau. Yo joine de CPJ qui a parlé nan yon nan compte yo monsieur gagné 1 million de dollars vet. C'est pas moi qui a parlé. C'est de CPJ qui a parlé. Selon de CPJ, père Franz Kol gagné plusieurs biens parmi eux plusieurs cailles en Haïti tant que à l'étranger. Yo joine que monsieur a touché 300 000 goudes par mois au niveau du Parlement haïtien. Maintenant, à quel titre? Point d'interrogation, on va y revenir. DCPJ révélé dans le 4e rapport, ça. Yo joine des éléments tangibles qui prouvent à clé que réseau ça a fait zam en train d'un pays, en dans l'église, ou bien sous nom l'église épiscopale d'Haïti. Yo gagne des connexions directes avec deux groupes armés dans le pays. Deux gangs très connus. Premier groupe armé a lié les 5 secondes au niveau de village de Dieu, de CPJ qui a parlé. Deuxième groupe armé a lié les crasés barrières que M. Vite l'homme innocent a dirigé. De CPJ dit gagne un avocat. Dans le moment où il a arrêté Père Franz Kola, qui t'a essayé de faire des démarches pour être si capable de libérer Père pendant la garde à vue. Et qui ça DCPJ partage avec nous comme indice, il dit même avocat ça, son avocat qui a défendu Vite l'homme innocent. Autrement dit, c'est avocat Vite l'homme. C'est comme si c'est avocat en équipe. Il y a une équipe là qui prend un pétrin, avocat lui-même. Intervenu pour faire première démarche. Je ne sais pas si j'ai parlé. Pas oublié jusqu'à présent, je n'ai pas fait aucun jugement. L'autre information, gagné un dame yo arrêté dans le cadre de dossier ça qui est Lovely Jean. Eh bien, là, on fait une cuisine de Lovely. Lovely sorti dans fief, vite l'homme. Je ne sais pas si j'ai parlé. Je ne sais pas si j'ai dit, comptable institution qui est Jean-Jules. Sorti 2017 pour arriver 2021, il y a un ensemble de décaissements qui fait sous côté l'église là pour aller jouer Zimbabwe et ça que nous la police a cherché conscient foi. Et ça nous doit retenir, amis auditeurs. La transaction ça y est, presque chaque mois, on 30 000 dollars avec. Pour plus petit qu'elle sous compte zimbabwéen. Dans le travail d'audition que les CPJ font, les opposés responsables, on parle de responsables église épiscopale, sous qui base on est dans la structure là, dans l'église là, ils parlent encore, et puis ils ont toujours avoué 30 000 dollars 20 sous compte là. Et bien, pas de pièces responsables l'église là qui a baillé justification comme ça, qui a expliqué pour qui ça. 30 000 dollars pour rejoindre Zimbabwe. L'autre information, je pense, qui est important pour nous connaître, amis auditeurs, il y a un citoyen qui est Ruben Saint-Villemont. Il a arrêté monsieur dans le début de l'année 2023, soit le 21 janvier 2023. Pour implication dans le dossier, ça pour qui ça? Parce que il y a un conteneur qui était rivé. Sous nom monsieur et son citoyen qui vit aux États-Unis qui portait nom Fernand Jean-Pierre qui lui-même te voyé conteneur ça et c'est monsieur qui te gagné pour obligation pour le recevoir pour l'église là. Enquête des CPJ a révélé depuis plusieurs années l'église épiscopale d'Haïti a utilisé franchise douanière que l'État haïtien bali
pour faire entrer ZAM en dans pays. Toujours d'après le CPJ, tant pour souvenir pour nous baliser Johnny Ferdinand qui a parlé. L'église là habitué faire entrer un ensemble de gros cargaison ZAM en dans pays. Généralement, yo profite la trouble sociopolitique en dans pays pour faire cargaison ZAM ça rentrer parce que contrôle la pas strict. Yo utilisé plusieurs ports dans pays pour faire ZAM ça rentrer selon information yo. Et deux ports yo utilisé plus c'est Port-au-Prince, c'est Lagonave, zami auditeur. Moi voulais noter ça. Les cargaison ZAM yo fin entrer à munition yo. Yo fin dédouaner yo. Yo aller avec conteneur dans l'école dans capitale là. Même si le CPJ pas dit que l'école, mais moi même Johnny Ferdinand, m'gen ti indice nan même, suivez mon regard. Yo aller avec conteneur ça en dedans l'école là. Et nan a souhait, yo veye en haut, yo veye en bas, yo prend conteneur ça yo sorti avec yo de l'école là étant. Yo aller avec lui non local qui dans Kafou Marassa. Et si je ne me pas trompé, je suis sûr que c'est dans la croix des bouquets. La police dit, il a cherché conchien fou en dizaine de monde dans le cadre de dossier ça, amis auditeurs. Parmi eux, Fritz Désiré, c'est monsieur qui était directeur collège Saint-Pierre. Il a cherché un monde les Jean-Mardo Cheville, qui est président comité permanent de l'église épiscopale d'Haïti. N'a pas rappelé ces messieurs qui te prend la parole qui te dit yo pa konnen rien dans ça pour reprocher yo. Et selon ça de CPJ dit, de CPJ qui a parlé pour m'a dit me dit, y a cherché monsieur a conchen fou. Et si me pas trompé monsieur a ta mon Lagonave ou bien ta gagné des bagages et des intérêts Lagonave. Bon peut-être c'est ça qui fait Lagonave paraît comme yon nan côté yo konn et yo konn recevoir Zamio. Et puis Zimbabwe, hein, qui c'est monsieur Voudla Sikumbuzo, il a cherché monsieur Conchin Foutou. Et Ronza Pibella, c'est que dans le moment où on a parlé là des CPJ, il y a une antenne sur monsieur dans le pays, et monsieur dans le grand sud pays. Grand sud, tantôt monsieur dans la grande danse, tantôt le fond arrivé dans le sud, la vacille. Mais pourquoi ça des CPJ pour le jour? Bref. Chéli, pas on est, pas on est. Moun qui a arrêté ou bien moun qui impliqué, bon, on dit moun qui impliqué selon des CPJ, moun qui impliqué dans dossier ça, on va le citer pour nous. Gen Gina Jean-Louis Walls qui a arrêté déjà. Gen Sikumbuzo Voudla qui c'est zimbabwéen qui a cherché conchien fou. Gen Alan Dolce, gen Alert Isarak, gen Franz Kol qui lui-même déjà en bas main. Autorité policière yo, gen Samson François, gen Lovni Louis Jean, gen Franklin Batista, gen Fernand Jean-Pierre qui a arrêté déjà, gen Rémi Lindor, gen Rubens, non il faut pas arrêter Fernand Jean-Pierre, il faut arrêter Rubens Villemont, merci, gen Jean-Marie Cheville que la police dit l'a cherché conchien fou, gen Jean-Marie Jean-Gilles, moi c'est comptable là, gen Mamion Saint-Germain, gen Fritz Désiré qui c'est directeur collège Saint-Pierre, gen Dianica, gen Cléberson Jules et gon paquet l'autre monde que ou pas cité dans yo que ou a cherché. Maintenant, question, guerrier Dieu seul. Père a touché 300 000 goudes au niveau du parlement. Probablement le bon travail était fait. À qui titre père a touché comme ça? Qui compte 300 000 goudes? 300 000 goudes, 60 000 goudes. Ah oui, oui. Non, mais il faut voir CPJ depuis approfondir pour regarder pour qui ça. Est-ce que Père lui-même, comme responsable de l'église, là, c'est lui qui fait liaison directe avec Gagnon pour faire au joint ZAM et munitions ça, si nous pouvons rapporter CPJ? Est-ce qu'il n'y a pas de monde au niveau du secteur politique? Est-ce qu'il n'y a pas de l'autre particulier qui dans la société civile là qui de connivence avec Père? Mathieu, regardez mon fait comme commentaire pour qui ça? Parce que jusqu'à présent, tout le monde s'est cité dans là, c'est des présumés innocents. Ma parle là en fonction d'un rapport de police qui c'est DCPJ à travers le bureau des affaires financières. Donc c'est pas dit mon zayo, il est coupable, m'a gagné capacité ça. La justice qui parle. Maintenant, il était à la justice parce que selon ça, me connaît, dossier ça, t'as déjà nommé la justice et ça fait troisième rapport que la justice va le recevoir sous lui. Qui ça suit yo à pied, pardon? Est-ce que ça va le faire titoler dans les médias pendant la semaine ça?
nous fait parler de lui sur les réseaux sociaux depuis l'autre semaine, il oublie toute bagaille. Soit PA continue à bouler prison ou bien il joue une formule, il la gué PA, on pas connaît. Mais celle ça moi-même moi qu'a dit nous et que moi-même gué ba dans même pour ça, il y a des pressions qu'a fait par rapport avec dernier rapport ça ou bien troisième rapport ça. Est-ce que c'est pour rapport là par public? Peut-être que pour moun pas analyser l'open, il fait probablement des détails nous pour gagner. Parce que moi-même, c'est sous moi, essayer de regarder. C'est